Bonjour Monsieur le Maître, vous êtes responsable stratégie et CTO de Red Hat France. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter la société, même si la société est très connue ? Eh bien, Red Hat, c'est un éditeur de logiciels open source qui a été fondé en 1993 et qui, depuis cette époque, en fait, fournit à ses clients des solutions développées et construites dans les communautés open source et que ensuite, chez Red Hat, nous assemblons, nous stabilisons, nous certifions et nous maintenons dans la durée pour nos clients. Donc, on a véritablement un modèle de développement qui se produit dans les communautés et derrière, on sert les grands clients français et dans le monde entier pour pouvoir utiliser correctement ces technologies très innovantes. D'accord. Donc, les solutions sont open source et après, vous apportez un service tout autour, à savoir comment bien l'utiliser, bien l'implémenter, le mettre dans chaque société. Exactement. C'est un service global dans lequel on intègre toute cette phase d'industrialisation. Hein, qui va de la sélection des composants à la stabilisation, au durcissement, à la sécurité, à la validation avec un écosystème de partenaires, de solutions partenaires diverses et variées, de matériel, d'hyperviseurs, de solutions tierces. Et ensuite, nous apportons et ce logiciel et du support et un cycle de vie, un cycle de maintenance à nos clients. D'accord. Et que signifie pour Red Hat France d'être présent aujourd'hui, enfin, pendant tout le Paris Open Source Summit, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que cela implique pour vous ? Alors, ça fait très longtemps chez Red Hat que nous sommes sponsors de cet événement-là et en fait de ces versions antérieures, hein, puisque ça a commencé il y a plus d'une dizaine d'années avec le salon Linux à l'époque. Donc, on est toujours très présent parce qu'on se rend compte que l'open source reste encore, même aujourd'hui, assez mal connu dans ses tenants et ses aboutissants, même si l'idée aujourd'hui d'open source comme source d'innovation, elle a fait son chemin et elle est présente. Mais de voir tout ce qu'on peut faire avec l'open source et de comment on peut le faire, c'est quelque chose qui est encore mal connu. Donc on est là aussi pour aider à évangéliser et à faire connaître comment l'open source répond à des vraies problématiques. Est-ce que vous pouvez me parler de l'actualité de Red Hat ? Alors cette actualité, elle est très riche. Elle a toujours été très riche chez Red Hat. Sous plusieurs axes. Déjà parce que nous sortons beaucoup de nouveaux produits très régulièrement. Donc là, tout récemment, nous avons annoncé sur nos trois plateformes principales que sont Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenStack Platform et OpenShift Container Platform, des nouvelles versions qui se focalisent sur les dernières innovations qui se produisent dans les communautés, notamment sur une unification des modèles de containers et de virtualisation sur des modèles beaucoup plus souples dans la gestion des mises à jour et le modèle opérationnel de ces solutions-là. Donc on vient d'annoncer la bêta, le programme bêta de la nouvelle version majeure de Red Hat Enterprise Linux 8 qui sortira en début d'année prochaine. Donc ça, c'est une actualité produit. Red Hat, évidemment, est sous le feu de l'actualité de par le rachat annoncé par IBM. Donc c'est une annonce qui a été faite le 28 octobre avec donc une intention de rachat de Red Hat qui devrait, je dirais, si tout se passe bien, se finaliser pour fin 2019 et dont le but est de créer un leader du cloud hybride, puisque c'est un domaine dans lequel les deux sociétés sont partie prenante, et nous depuis très longtemps. Et l'idée, c'est de justement démultiplier encore les forces de Red Hat en ayant l'appui d'IBM, tout en préservant l'autonomie et la culture qui en fait la spécificité de Red Hat. Oui, ça c'est un point important puisque c'est vrai que on pense, il y a quand même des spécificités, on va dire, philosophiques de l'open source. Est-ce que c'est quelque chose qui garantit de garder votre indépendance ? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre manière de travailler ? Pendant l'absolu, on va dire. Ce qui est annoncé, c'est de laisser Red Hat comme une entité autonome au sein de la division cloud de chez IBM. Il faut bien prendre en compte le fait que Red Hat ne possède pas de propriété intellectuelle en tant que telle. On rachète pas Red Hat parce qu'on veut racheter un portefeuille produit. On rachète Red Hat parce que derrière Red Hat, derrière la marque Red Hat, ce sont des hommes, des experts et des processus industrialisés. Et c'est en fait ces hommes et ces processus font et la qualité du travail que l'on réalise et font la culture. Et donc, s'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas de culture. Il n'y a rien. Donc, ce que rachète IBM, en fait, c'est une culture.
D'ailleurs, donc là, on voit vraiment arriver une hybridation entre les systèmes fermés et les systèmes open source. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, est l'avenir ? Alors, il faut savoir qu'IBM, globalement, depuis toujours, a toujours été un fervent défenseur de l'open source. Ils n'ont pas axé leur modèle économique sur l'open source. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que Red Hat a fait, mais pas IBM. Par contre, ils ont soutenu depuis très longtemps les efforts de l'open source pour développer notamment Linux et l'utilisation de l'open source en entreprise. Et on est partenaire ensemble depuis très longtemps. Plutôt que d'opposer ou de mettre en relation les côtés libres et propriétaires, je parlerai beaucoup plus d'écosystème. En fait, on est dans un modèle aujourd'hui de coopétition, je dirais, à tous les niveaux, dans tous les acteurs. Donc aujourd'hui, de faire travailler Red Hat avec un acteur comme IBM dans le cadre des partenariats qu'on a historiquement ou dans le cadre d'un rapprochement qui s'opérera normalement fin 2019, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans le fonctionnement des deux sociétés. IBM travaille avec un écosystème de partenaires qui ne sont pas forcément aujourd'hui les nôtres, qui ne sont pas forcément les solutions avec lesquelles on travaille, et nous de la même façon. Et ça, le fait de rester autonome perdurera ce modèle-là d'hybridité en fait, de modèle économique, enfin de modèle de travail. Vous êtes un acteur essentiel de l'open source depuis 20 ans, vous m'avez dit depuis un paquet de temps, enfin, voire beaucoup d'années, voilà, un quart de siècle. Comment vous voyez l'évolution et depuis 25 ans et comment vous pensez que ça va maintenant dans les 3 à 4 prochaines années évoluer ? Alors, l'open source a clairement montré aujourd'hui que par son innovation technologique, c'était le véhicule en fait qui amenait les innovations dans le monde de l'IT, qui les amenait soit en mode création, soit en mode de développement. Plus un seul acteur aujourd'hui sur le marché n'a la capacité à développer soi-même, pour soi-même, une technologie. Donc aujourd'hui, le modèle open source a montré qu'il était parfait pour réaliser ça. Donc en cela, il va perdurer énormément. Là où je vois en fait les évolutions, c'est de se dire, de bien faire comprendre à tout l'écosystème, aussi bien partenaires, contributeurs, mais clients finaux ou grands utilisateurs que l'open source, c'est pas juste utiliser des logiciels qui sont gratuitement disponibles à tout le monde. C'est aussi contribuer. Et aujourd'hui, l'open source a montré qu'on pouvait régler à peu près tous les problèmes orientés sur les infrastructures des centres de données, infrastructures pure et dure ou infrastructures applicatives. Restent encore les approches métiers. Et donc, j'aimerais beaucoup voir les utilisateurs qui travaillent chacun dans un métier ou dans un secteur économique contribuer beaucoup plus à faire avancer les évolutions dans l'open source sur ces métiers-là, sur ces approches applicatives métiers. Ce qui est encore assez compliqué parce qu'il faut déjà être un peu technicien pour arriver à faire remonter les infos en tant qu'utilisateur, ou est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, peut être simplifié pour justement avoir des retours utilisateurs ? Je ne pense pas que ce soit techniquement compliqué, c'est plus philosophiquement et culturellement que c'est compliqué, dans le sens où il faut avoir la capacité et la volonté de vouloir créer une communauté d'utilisateurs qui vont partager une même problématique et vouloir faire vivre une communauté pour qu'elle ensuite contribue ensemble sur des choses communes, une sorte de baseline commune qui va bénéficier à tous et qui n'apporte pas de valeur ajoutée plus que ça. De faire en sorte que chacun en fait mutualise ses efforts sur ces aspects-là et puisse ensuite développer des aspects vraiment spécifiques à chacune de leurs métiers, de leurs approches commerciales ou de leurs approches de marché qui feront leur différence. Mais encore une fois, il y a une baseline, commune qu'il est aujourd'hui tout à fait possible de mutualiser. Et je citerai en exemple dans le monde de l'automobile une communauté comme Genivi qui regroupe des acteurs de l'automobile. Alors, qui n'ont pas pour l'idée de faire un véhicule totalement open source, même si ça existe, hein, mais ce n'est pas eux qui le gèrent, mais qui vont partager la baseline du système d'infotainment dans la voiture. Qui après sera appliqué dans chaque voiture. Qui sera appliqué avec les services. Chacun viendra avec ses propres services dans ce système-là. Mais la base du système, qui est de savoir lire du contenu média, multimédia ou autre, ou de gérer l'ajout de nouveaux services, ce n'est pas un différenciateur. D'accord. Donc voilà le genre de contribution. Donc arriver à passer au-dessus de la concurrence, quoi. Voilà, de se différencier par des vraies approches de services spécifiques et non plus par vouloir tout faire soi-même. Et donc, d'accord, ça, dans les approches métiers, on ne le voit pas encore. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019, dites-moi ?
Eh ben, de continuer à croître comme nous avons opéré notre croissance ces 25 dernières années, de l'ordre de 20% par an. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels nous sommes attentifs et sur lesquels nous sommes assez positifs. Et puis de voir l'open source globalement utilisé de plus en plus sous toutes ses formes par nos clients. Merci beaucoup. Merci.